Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment formater le PC sans utiliser CD ou USB. Bon, on a besoin juste le Windows qui est avec un format qui est USO et aussi le logiciel Magic USO. Bon, voilà, je laisse le lien pour télécharger le Magic USO et aussi Windows dans le sous de vidéo, dans la description. Télécharger le programme ou le logiciel et aussi le Windows. Et pour l'installation de logiciels, c'est très simple. Bon, après l'installation, voilà, on a cliqué ici, c'est le logo de logiciel. On a cliqué sur le logiciel, voilà. Après, on a cliqué sur Tolerate. Voilà, c'est le programme. Bon, on a les. Voilà, File. Open. Et on a choisi le Windows avec un format qui est USO. Voilà, je laisse le lien pour télécharger dans cette vidéo. Voilà, on a cliqué sur Open. Voilà, c'est des façons qui est très simple. Bon, après, on a cliqué sur ce bouton là. Voilà, extra, qui s'appelle là. Voilà, on a cliqué là. Bon, avant de ça, vous devez mettre un dossier dans le bureau. Voilà, et voilà, on a fait une new folder, un dossier, voilà. Et c'est juste pour... Voilà, on a fait supprimer parce que je t'ai fait. Parce que on a besoin après. Bon, on a cliqué sur, voilà, sur le bouton. Et on a choisi le dossier qu'on a invité après dans le bureau. Voilà, USO. Ça s'appelle USO. Bon, voilà. Ok. Bon, on attend un peu. Voilà. Et voilà, après de ça. Bon, on a mis ça. Et on a entré le. Bon, on a cliqué sur Step. Bon, c'est le dossier USO. On a cliqué sur Step. Voilà. Bon, voilà, c'est la même fenêtre si vous voulez formater le PC avec CD ou avec USB. C'est voilà, c'est comme ça, c'est la même façon et c'est la même fenêtre. Et bon, on a cliqué sur Install Windows Activate. Bon, moi, je ne veux pas formater le PC. Bon, juste, j'ai expliqué comment formater. Bon, bon après, on a cliqué sur Install Windows. Et voilà, voilà, c'est la deuxième étape. Voilà, j'explique avec les photos parce que moi je ne veux pas formater. Bon, voilà, on a choisi la langue de Windows, français, voilà comme ça. Et bon, on a sélectionné, j'accepte les termes des contacts de licence. Voilà, cliquez sur suivant. Bon, après, on a choisi personnaliser. Voilà, c'est la deuxième étape. Voilà, cliquez sur la deuxième étape. Bon, voilà, on a choisi aussi le, si vous oui, c'est, on a choisi le disque 2 ici. Bon, c'est pas la même choix comme la photo. Bon, on a choisi le disque 2, voilà, si ou le disque, voilà, c'est après on a cliqué sur suivant. Bon, on, maintenant, toutes les informations qui ont été fournies, votre ordinateur redémarra plusieurs fois. Voilà, votre ordinateur redémarra plusieurs fois pendant l'installation. Voilà, laisse l'ordinateur va installer le Windows automatiquement. Va, malgré que redémarrer plusieurs, c'est pas problème. Bon, enfin de l'installation. Voilà, si vous voulez écrire le nom de le nom d'utilisateur, voilà, du doigt, voilà, après cliquez sur suivant. Voilà, si vous voulez mettre le mot de passe, si vous voulez pas, cliquez juste sur suivant. Bon, on a choisi le user recommend setting. Db. Et voilà, c'est juste les paramètres, c'est très simple. Voilà,
on a choisi le network pour le paramètre, si je le paramètre. Voilà, enfin vous entrez là, vous formatez le PC avec son utiliser CD ou USB. Bon, après vous devez télécharger ce programme Cleaner. Je laisse le lien de téléchargement aussi dans cette vidéo. Voilà, pour supprimer le fichier de Windows qu'il y a avant là, parce que voilà, c'est on a sélectionné tout ça. Voilà, on a bon, après cliquer sur nettoyer pour supprimer tous les fichiers qui occupent l'espace de disque dur. Voilà, ça c'est tout. Et voilà, on a cliqué sur nettoyer comme ça. Ok, après cliquer sur nettoyer la prochaine fois. Voilà, site nettoyer. Voilà, après vous supprimez tous les fichiers qui occupent l'espace de disque dur. Voilà, ça c'est tout. Bon, et si moi j'étais utilisé cette façon là, et j'ai formaté PC avec son problème, et bah, je préfère là, parce que si vous pas si vous avez vous avez pas le USB ou CD, vous pouvez formater avec cette façon. Bon, c'est tout pour l'explication. Et n'oubliez pas faire un petit like ou abonner sur ma chaîne sur YouTube, et aussi visiter le blog www.exprofessionnel.com, et vous trouvez beaucoup de sujets qui intéressent là, pour le gagner d'argent, blogueur, le jeu, et aussi comment voilà, c'est exemple. Comment obtenir une carte Mastercard pour acheter sur internet, activer PayPal, et aussi obtenir course Photoshop, voilà, et aussi pour les gagner d'argent. Voilà, on a cliqué sur gagner d'argent. Voilà, et aussi comment acheter sur Amazon gratuit à partir du one click. Comment on s'achète sur internet par cher à partir du site mini débourse avec crédit $50. Voilà, et aussi gagner $50 tous les jours à partir du site YouGov, obtenir $1000 en vidéo seulement 10 amis chez Etoro, et aussi gagner de l'argent à partir du site Etoro avec cadeau de $100. Bon, il y a beaucoup de plusieurs des sujets. Si vous voulez voilà, visiter le blog, je laisse le lien de blog aussi dans le sous de vidéo, et aussi n'oublie pas faire un petit like sur la page de Facebook www.facebook.com/exprofessionnel. Je laisse le lien de Facebook aussi dans le sous de vidéo. Si vous avez quelques problèmes dans le domaine technique, et aussi voilà, n'a pas compris quelque chose, vous pouvez connecter avec nous dans la page Facebook, ou faire un commentaire dans le sous de vidéo. Bon, ça c'est tout, et merci.